Vous avez joué des finales de coupe, Mathieu Bodmer, et vous allez peut-être pouvoir nous raconter ce qui se passe après le dernier match de championnat, une semaine avant une finale. Comment on se prépare justement pour cette finale? Alors ça dépend, j'en ai joué plusieurs. Oui, bon. Avec Lyon, j'en ai joué une, comme je disais, on a été champion la semaine d'avant, donc on a fêté un peu pendant 2-3 jours, et puis ouais. On est arrivé sur la finale de Coupe de France, mais euphorique, même presque sans s'entraîner de la semaine, pardon, mais avec beaucoup de confiance parce qu'on avait été champion. Avec Paris, c'était un peu différent, on l'avait plutôt bien préparé, mais on était tombé sur un LOSC qui avait tout raflé cette saison-là. Et la dernière que j'ai jouée avec Saint-Etienne face à Rennes, voilà, c'était une grosse attente du club depuis une trentaine d'années. Donc il y avait beaucoup de pression sur une victoire. Donc trois contextes différents, avec une préparation quasi similaire de la part de tous les coachs. Mais voilà, après, il ne faut pas la jouer avant, il faut la jouer le jour J. Et là, on sait que pour les deux clubs, c'est un moment important.